Eh bien, salut tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale, une vidéo annonce en réalité à l'occasion de la 400e vidéo de la chaîne, et oui déjà, ça monte de plus en plus vite, je vois pas les vidéos défiler franchement, et bon bah voilà, c'est une pure coïncidence que cette vidéo 400 soit une vidéo annonce, mais que voulez-vous, du coup elle tombe plutôt bien. Une vidéo aujourd'hui les amis pour vous faire une annonce de la plus haute importance pour nos amis suisses et les gens du nord de la France, je pense. Ceux qui me suivent sur Facebook et sur Ask sont peut-être déjà au courant, mais je serai absent ce week-end, on va dire du vendredi au lundi. Donc ça a son importance sur les vidéos, je vais vous expliquer ça juste après. Puisque je serai au Polymanga, donc en Suisse, à Montreux. J'y serai en compagnie de plusieurs youtubeurs, donc il y aura Arc, il y aura Frigiel, après je crois aussi qu'il y aura Joueur du Grenier, Wartek, enfin bon, voilà, il y aura pas mal de monde. Les deux jours, donc le week-end, le samedi 30 et le dimanche 31 mars. Et donc pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement parce que si vous êtes de Suisse, si vous êtes du coin et que vous comptiez bah, vous y rendre, bah, n'hésitez pas vraiment à venir nous faire un petit coup si le cœur vous en dit, parce que vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps à me poser la question de savoir si je comptais un jour venir en Suisse et si je comptais aller en particulier au Polymanga. Et donc la réponse est oui, j'y serai donc ce samedi et ce dimanche. Forcément, ça a une influence sur les vidéos, et c'est pour ça que je comptais vous faire aussi cette petite vidéo pour les autres, puisqu'il n'y aura pas de vidéo durant le week-end, ni de live. J'essaierai quand même de vous prévoir une vidéo de Mario Sunshine pour le vendredi et pour le lundi, mais le week-end ne comptait pas avoir de vidéo, malheureusement je ne pourrais pas vous prévoir ça. J'essaierai peut-être, mais ça encore c'est pas sûr, si on arrive à choper une connexion internet potable. Ça dépendra de l'endroit, hein. J'essaierai peut-être de vous faire peut-être un live en facecam ou quoi avec Frigiel, puisqu'on sera dans le même hôtel, pourquoi pas, pour vous raconter un petit peu. Encore une fois, je sais pas, hein, c'est des suppositions, mais ça pourrait être sympa, donc surtout pensez à être abonné et à nous suivre sur Facebook et lui sur Twitter aussi, s'il l'annonce. Donc voilà, écoutez, c'était une toute petite vidéo pour vous annoncer ça, donc si vous êtes du coin, si vous comptiez vous y rendre, hein, surtout n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, hein, ça fait plusieurs conventions auxquelles je me rends, et à chaque fois ça se passe super bien, je suis très content de vous voir, et cette année j'ai l'intention justement un petit peu de bouger, de pas forcément me rendre aux mêmes conventions que les années précédentes, parce qu'en 2 ans et demi de YouTube, j'aurais fait 3 Japan, 2 Paris Games Week il me semble. Cette année j'ai pas l'intention de me rendre à ces salons là parce que mine de rien c'est assez répétitif si je peux dire, et j'ai envie moi aussi pour l'expérience globale du truc, hein, pas seulement la convention mais aussi le déplacement, le voyage, découvrir des régions, etc. J'ai envie aussi un petit peu de varier, de me rendre ben voilà pourquoi pas à la Polymanga et à d'autres salons, peut-être en Belgique ou dans le nord de la France, j'en sais rien du tout, hein, je verrai plus tard, je me suis pas vraiment tenu informé. Mais c'est vrai que le Polymanga, ça me tentait énormément depuis quelques semaines déjà, je vous avoue. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'y rendre dans un cadre assez paradisiaque quand même, au bord du lac Léman. Ça va être plutôt beau. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était vraiment pour vous avertir qu'il n'y aurait pas de vidéo ce week-end. Et puis j'essaierai quand même, pour vous qui ne pouvez pas vous y rendre, essayer de faire un montage, peut-être un résumé, prendre des photos, etc. Et essayer de vous faire vivre l'événement du mieux que je peux. Puisque beaucoup d'entre vous, j'imagine, auraient aimé se rendre sur place, mais ne peuvent pas, faute de temps ou de moyens. Et donc, j'essaierai du mieux possible de vous faire revivre cet événement. Voilà les amis, toute petite vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, écoutez, à ce week-end pour certains d'entre vous. Et puis pour les autres, à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!